Mardi 10 avril 2018, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Téléjournal Lance ou Télévision Nationale d'Haïti. Mes grands titres pour Assoya. Environ 500 familles dans la commune Les Anglais, département sud, recevoir pendant week-end lent appareil pour mettre courant la CAIO dans le cadre programme CAIPAM Cléréa. Président Chambre députée en souhaité gain passer main qui fait en volontant dans cabinet ministériel là. Député Garibodo fait connait li déjà rencontré président Jovenel Moïse sous dossier si là. Doyen tribunal première instance Saint-Marc-Lan, maître Noé Pierre-Louis Massillon, réélu comme représentant tribunal première instance dans Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans cadre d'une élection qui est organisée jeudi mardi 10 avril là. La police nationale d'Haïti a arrêté 5 présumés bandits qui tapsimaient la troublaille dans le quartier Martissant, Bolos, avec Cité de Dieu pendant le week-end passé, d'après secrétaire d'État sécurité publique Léon Ronsard Saint-Cyr. 8e sommet sous financement a poursuivre pour 2e journée débat au Téchita sous microfinance. Et puis, une actualité en l'autre bord de l'eau, garde nationale américaine commence à déployer soldats sous frontière pays Mexique pour mardi 10 avril là, dans l'idée pour établir sécurité sous frontière ça. Amis téléspectateurs, restez branchés, nous retournons tout de suite avec développement journal là. Enfin, qu'on a salué et puis remercier tout le monde qui branche téléjournal là sous télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linella qui ensemble avec nous. Nous avons démarré sans perdre de temps, ensemble avec conditions météorologiques et ses collaborateurs, nous, Wilner Polidor, qui prend le poteau pour nous. Nous avons dit Wilner, bonsoir. Mardi 10 avril 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour aujourd'hui pour prévision météorologique junior qui est toujours côtoisie UHM. De concert avec OFNAC et puis Télévision Nationale d'Haïti. Hier, il y a un beau temps et jeudi encore, il y a un beau temps sur le pays. On a vu qui situation qui causait ça. Nous avons une zone de haute pression qui trouvait ici et qui prolongement y trouvait sous toute région Caraïbes là. Situation ça a provoqué un temps ensoleillé et venteux sous pays là et majorité département ou bien tout département là concerné par situation de beau temps. Mais faut que nous préciser brise là mais qui rentre sous nous avec réchauffement pendant journée capable causer quelques averses la première, c'est vraiment des averses isolées et surtout sous relief. Et zone cap concernée, nous avons département Artibonite avec centre, Grandos avec sud. Après ça, Résonio, c'est très très rare averses cap gain. C'est dans l'ensemble du beau temps, sous tout le pays. Pour jeudi, je nous dis en soirée, il y a possibilité pour gagner quelques averses. J'en ai sous cadre de précipitation, ça sous zone en bleu, nous avons quelques averses sous zone ça. Mais après, dans l'ensemble, c'est du beau temps. Pour capital avec zone qui a vu, on est sur capital qui a vu de beau temps pour aujourd'hui. Et a bien vent qui a soufflé sur capital là. Et vent ça a persisté non seulement en soirée et au cours de nuit là. Mais la température a fait très chaud. Elle a monté jusqu'à 34 degrés aujourd'hui. Et puis, elle a descendu en nuit là, c'est 22 degrés. Et même la nuit là aussi, on a senti effet chaleur au cours de nuit là. Parce que la température a arrivé jusqu'à 22 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui agite sous côte sud, mais Golfe Lagonave la peut agiter, côte nord la pas agiter, mais c'est plus au large, c'est peut-être ça demander capitaine d'embarcation. Il est capable de naviguer considérablement près des côtes, mais il faut qu'il évite le large parce que au large la mer est agitée. Et pour page astronomique, là, soit elle a couché jeudi à 7h05 et elle a levé demain matin à 6h36. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité. Attention, nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. Nous sommes annoncés dans le commencement du journal. Le programme CAIPAM Cléré arrivé dans la commune Les Anglais, dans le département sud du pays. Pendant le week-end passé à Pito, environ 500 familles recevaient appareil pour mettre courant en dans la CAIO. Anne-Marguerite Auguste et Hervé Pierre a présenté nous. Yon reportage. Bénéficiaires yon remercie président République lan qui permet en poule le melakay yo. D'après yo, yo te kon dépense en pile kob na achete glen ak bois pain. Utilisation moyen sa yo te kon représente yon danger pour vie yo.
À travers ce ça, bénéficiaires ont dit qu'ils ont senti qu'ils pas pour compte. Ils croient que la matérialisation de promesse électorale, c'est un signe qui montrait que le président Jovenel Moïse bail les gens qui vivent dans la zone reculée ont même importance à les gens qui vivent dans la ville. Je dis au gouvernement Jovenel la merci pour bon travail qu'elle a fait et demander pour tout continuer le travail là et tout. Nous dit président Jovenel merci parce que nous faisons travail pour lui, nous commençons à récolter. Bah il a changé parce que longtemps Tibet a demandé de battre Kawel. Et bien qu'on y a là quelque chose à côté de mal bah lui parce que nous faisons nous qu'on y a nous Azek ak magistrat les Anglais a salué engagement chef l'État en faveur monde qui vivent dans zone reculée yo. Nous demandons au gouvernement pour continuer avec section à toute section yo. Pour nous faire continuité route là ensemble, parce que nous avons volonté pour nous travailler. Nous demandons au président, et puis pour le travail, main dans la main ensemble avec nous, dans toute activité zone. Nous allons éclairer Kayo et puis si nous sommes capables de joindre lumière la Kayo pour étudier. Donc nous allons, dans toute façon, si nous allons progresser puis vite dans l'éducation, capable de joindre pour étudier. Vice-délégué et député les Anglais a fait connaître l'initiative ça, président de la République la prend pour la catégorie de monde au courant. C'est permettre de participer dans les efforts qu'a fait pour voir une autre image de pays. C'est un monde qui travaille, qui a lutté pour le peuple. Et pour ma section des Anglais, continuer à bailler hommage encore une fois de plus pour le président ça qui pensait à eux-mêmes, bien que le président a pensé pour tout le pays. Cette lente tête gridape et qu'on utilise là, je vous dis, grâce à la promesse de campagne du président Jovenel, que moi-même j'ai accompagné pour le président, il a honoré la promesse de campagne envers les paysans. Avant de remettre la population à l'appareil là, bénéficiaire suivre pour comprendre plus bien comment ils peuvent utiliser l'appareil. Nous permettre aux familles qui vivent dans une zone isolée, qui ont accès avec un système qui a une capacité pour les alimenter 3-4 ampoules. Pour lui connecter deux ports pour charger téléphone et puis ensuite qui permet maintenant et un poste radio côté capable d'être en communication avec le gouvernement local là en cas de catastrophe naturelle ou bien pour tout programme éducatif qui était capable de mettre pied. C'est un programme président fait dans le cadre d'électrification rurale qui est basé dans trois axes électrification 24/24 président Paléa. Donc là donne président subventionné qui là il bail 50% et puis il quitter bénéficiaires pour 50% ou même qui a 24 versements. C'est monde qui vivent dans zone reculée côté qui pas gain infrastructure courant cap bénéficier appareil pour mettre courant la caillou. Bénéficiaires remercier président Jovenel Moïse pour engagement ça et puis mandel pour pencher sur l'autre problème zone reculée a fait face. N'a toujours été les Anglais pour nous faire connaître directeur général Agence nationale sécurité énergétique là Evanson Calixte. Visité pendant le week-end passé à Centrale électrique Les Anglais. Visite ça, c'est pour garder dans qui état Centrale là y est après dommage l'été subi dans cyclone Mathieu. Centrale ça qui pas marché la cause situation difficile pour moun Les Anglais pour être capable de joindre courant. Un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et puis Hervé Pierre. Visite ça, c'est pour le travail qui a bien pour faire centrale là où commencer à fonctionner, j'en sais avant. Directeur général Agence nationale de sécurité énergétique là, Evanson Calix, fait connaître président République là déjà mandé compagnie énergie propre pour remplir formalité légale yo. Ça qui déjà fait, côté li remporté appel d'offres pour bailler ville les Anglais courant. Pour qu'on y a, dossier a déjà adjoint Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Dans le cadre et caravane, nous avons travaillé avec eux pour nous réparer la centrale. Donc, au Capaboué, là, où il y a 40, ou il y a presque 50 kW de panneaux solaires qui étaient endommagés après le cyclone Mathieu. Donc, le contrat, ça a été fait à travers l'électricité d'État d'Haïti, à travers l'appel d'offres. Nous avons un dossier actuellement dans le Cour supérieure des comptes. Nous avons des coups pour faire un petit pressé pour nous, parce que là, nous arrivons là, nous, effectivement, nous avons fait noir. Et nous avons un contrat en dans le cours. Donc, c'est intéressant pour qu'on active le dossier rapidement pour nous permettre de réparer les 50 kW solaires qui gagnent. Libéral ba nous à peu près 100 kW, les sont capable fournir électricité 24 sur 24 en dedans et ville les Anglais parce que nous quand réparer 40 kW solaire, nous quand réparer 50 kW solaire et nous sommes visiter et inverteur, moi inverteur marché, y a une bonne batterie et cap marché. Nous pensons que nous t'ai dit que nous pour aller nous une stratégie pour l'électrification rurale là, c'était qui y a deux acteurs, c'était micro réseau, c'était en fait des programmes énergie en milieu dispersé.
Central ça a une capacité pour bailler environ 450 familles courant. Avec dommage qui était subi dans passage cyclone Mathieu, c'est seulement 6 familles qui ont possibilité de mettre en poule la caillou. Directrice compagnie énergie propre Wendy Sanasi salue visite directeur général Anasea qui fait suite à engagement chef l'État te prend pour aider à réparer centrale électrique là. Madame Sanasi rappelait l'importance énergie gagnée dans le développement durable du pays. Avant cyclone, nous avons gagné 452 connexions CAI et micro-entreprises dans les Anglais qui étaient connectées. La Cunha, nous arrivons 6 seulement, nous commençons avec 6. Et là, nous voulons agrandir, bien sûr. Nous avons juste attendre quelques matériaux venir pour nous continuer le travail. Nous. Donc, capacité maximale réseau avec panneau soleil 100 kW. Et puis ça, la Cunha avec panneau qui nous gagnait avant qu'il nous remplace les, c'est-à-dire avant de nous remplacer panneau qui était endommagé pour cyclone, là, nous gagnons une capacité environ 40 kW. Intérêt pour remettre campé centrale électrique les Anglais a fait partie de l'engagement chef l'État haïtien pour mettre courant dans tout le pays, d'après le directeur général Anasea. Il explique que c'est un système prépayé pour faciliter tout le monde à acheter courant pour quantité de cobre capable. Merci Anne-Marguerite et Hervé. Nous sommes parlé de ça dans grand titre tout. La police nationale d'Haïti a arrêté 5 d'un présumé bandit qui tapsimé la troublaille dans le quartier Martissant, Bolos, à la Cité de Dieu pendant le week-end passé. D'après secrétaire d'État sécurité publique, là, Ronsard Saint-Cyr. Secrétaire d'État sécurité publique l'a précisé et a continué le travail pour contrecarrer action bandillo et puis créer conditions pour population en circuler libre et libre. Dite dans le micro, John Herbie Casseus et Henri Robert Chéri en suivent. Regardez l'image qui a fait circuler qui n'est pas grave avec vous. Regardez deux balles que moi, faut que moi, c'est balles qui l'a depuis longtemps que vous remettez sur ce qui a passé. Tout le monde connaît que le droit a fait de conflits armés. Les gens qui ont pour l'espace, les bandits qui ont pour une priorité sur telle zone, ils ont été ici que tout le monde donne. Mais, j'ai fait alerte là, surtout au niveau diaspora, c'est pas comme ça lié. Par rapport de 15-20 personnes qui ont été arrêtés. Jusqu'à présent, nous sommes en grand cas de laisser comme monde qui nous identifie. Rapidement, nous faisons une réunion avec la police, avec la justice, nous sécurisons le périmètre là. Les gens qui ont circulé entre Port-au-Prince et Carrefour, le sud n'est pas coupé avec l'ouest à cause de ça, ce n'est pas vrai. Nous avons fait présence dans le périmètre, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une attaque qui a fait, ni rien. La police a fait une intervention. Mais cependant, policiers, comme policiers, il a pour défendre depuis ceci dans le danger. J'en crée sur ça. Donc, nous avons travaillé sur la question, nous avons pris plus d'informations. Il y a 5 bandits qui ont arrêté, qui sont liés à la zone Zayo. Mais qu'une prend la Port-au-Prince et Delma, qui a fait leur activité, qui sous contrôle la police. On a continué à mener une investigation, on a continué à mener une opération, parce que les gens qui sont là sont zones plein de bandits, mais tout le monde n'est pas bandit. Ils sont des victimes parce qu'ils sont arrivés de l'autre côté, qui victimes déjà le fait que les sous contrôle ont série de bandits, parce qu'ils sont pauvres et dépassés. Donc on ne peut pas faire une opération n'importe qui. Pour ne pas tomber sur des situations que nous n'avons pas souhaité tomber là-dedans. Donc voilà, c'est tête frette. L'État compte ça pour le faire. La police, la justice, le secteur public compte ça pour le faire. Nous avons travaillé pour ça. Résoudre, par une affaire de une zone de nos droits sur 27 km². Nous avons toujours été dans ce sujet, ça, ensemble avec le président de la Chambre des députés, Gary Baudot, qui fait qu'on a participé à une rencontre avec le président de la République le lundi 9 avril. Côté, il y a présence de l'autre responsable dans l'État sous problème qui gagnait dans plusieurs quartiers populaires. Député Delma a expliqué qu'il fait quelques recommandations par le président pour le gouvernement capable de corriger la situation. Il était dans le micro, Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Et nous sommes très préoccupés par rapport à la situation qui a développé dans plusieurs quartiers dans la capitale là. Donc c'est vrai, nous avons des positions qui ont arrêté sur ça, mais nous avons été, disons, voir le président de la République. Donc nous avons entretenu nous avec plusieurs ministres qui sont responsables de la question de sécurité dans le pays. Donc nous faisons des recommandations.
Donc nous pensons, donc je nous connais en parlement les mêmes rôles, c'est contrôler l'action du gouvernement et puis légiférer. Donc nous sommes très préoccupés par la dernière situation nous avons déroulé. Il faut que nous même si même gagner et proche un député qui était kidnappé, qui relâché hier. Donc sous question sécurité, il y a un ensemble de propositions nous faire, mais je nous connais en question sécurité, ce n'est pas un barrière au cas discuté dans les médias. Seul ça nous a dit, la peur doit changer de camp. Parce que je dis à qui est-ce qui peur, c'est policiers. Qui est-ce qui peur, c'est population. Donc, bon ensemble d'acteurs dans la société, je pense que ne faut pas faire policiers au peur, il faut quitter policiers au fait travail. Donc, c'est sûr, bon ensemble de problématiques, tant que la violation des droits humains, etc., il faut que nous veillons au grain parce que son société est traumatisée, son société nous connaît, qui connaît dictature et qui connaît un paquet de soubresauts politiques. Cependant, question ça, il n'y a pas arrêter comme ça et nous poser problème non, au plus haut niveau. Donc, point besoin de comme si Mdadzou est convoqué. Et des mounes, etc., viennent faire des shows médiatiques pour montrer par le travail. Donc, il y a des couloirs et privilégiés, tant que le président de la République, le premier ministre, le ministre intérieur, le ministre de la Justice. Donc, tout le monde a touché des questions. Et au niveau de la Chambre des députés, nous avons fait des recommandations. Il est clair que nous avons regardé dans la télévision un paquet de petits mounes qui sont sous dans l'école, qui ont un paquet de gros âmes. Donc, il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent. Pour monsieur déposer les armes. Moi-même, comme président de la Chambre des députés, hier soir, nous avons rencontré le président, entre autres, sur plusieurs dossiers de préoccupation nationale. Matin, en tout, au niveau du bloc majoritaire, il y a une cinquantaine de députés qui ont rencontré le président sur la situation ça, et il y a des recommandations qui sont faites. Nous avons tout profité de continuer pour nous faire connaître. Consultation a commencé entre le président Jovenel Moïse et Palman sur possibilité pour faire remaniement. Dans le cabinet ministériel, le président de la Chambre des députés, Garibodo, a confirmé le président Jovenel Moïse Chita Palé à Cli lundi 9 avril, côté discuté sous question remaniement. Chef l'État Chita Palé tout avec bloc majoritaire dans la Chambre des députés à mardi 10 avril, là, côté échangé sous même question, ça toujours d'après le président de la Chambre des députés. On suit. Interpellation ministre de la Justice là, a fait et le 26 avril. Mais d'ici là, nous connaissons pour gagner un remaniement ministériel qui est imminent. Donc, nous ne pouvons pas connaître qui ça a fait dans ce sens-là. Il faut que nous disions que l'ensemble des dossiers, nous gardons. Le président a présenté nos 7 axes prioritaires qui ont rapport à la vision du gouvernement. Non? Parce que nous sommes très inquiets et nous sommes des remaniements. Parce que nous-mêmes, nous avons une propre opinion par nous sur la performance du gouvernement. Mais je dis à son remaniement qui a fait par rapport à une vision de la gestion de la chose publique par rapport à des problèmes conjoncturels qu'a posé là, mais des problèmes à long terme tout. Mais il faut nous connaître remaniement li, du ressort du président de la République et du Premier ministre. Donc le Parlement est peut-être informé, etc. Mais au niveau des différents blocs yo, qui te permettent que le gouvernement monte, ensemble de préoccupations nous gagne. Donc, comme président de la Chambre des députés, donc, il y a des discussions faites. Les discussions vont continuer toujours sur remaniement. Il faut que nous disions que le processus là est enclenché. Pas oublier au niveau du bloc majoritaire que mon bloc majoritaire, comme président de la Chambre, je n'ai aucun bloc. Mais comme Garibodo, nous connaissons mon fondateur, un bloc qui est l'APH. Il y a des députés influents, tant que le député Francis Delacousse, qui a eu l'ultimatum même pour gagner remaniement. Donc, le député Delacousse sont député très influent dans la majorité. Donc, il y a un pilote collègue qui est sous la même position avec elle. Donc, il y a son secret de polichinelle. Donc, il y a, est-ce que son remaniement a fait à 60 degrés ou bien à 90 degrés? Est-ce que c'est 8, c'est 10, c'est 5? Donc, moi, je pense que c'est 8, c'est ta opinion. Pam. Il y a un autre collègue qui pense que c'est 6 au niveau du palais. Il y a un autre chiffre qui baille. Mais nous-mêmes, nous gagnons. Nous avons des idées claires sur qui nous pouvons retirer, sur qui nous pensons qu'il ne va pas régler rien dans le gouvernement. L'autre information dans le journal ça, dans un tribunal première instance Saint-Marc-Long, maître Noé Pierre-Louis Massillon, réélu comme représentant tribunal première instance dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire.
Dans l'élection qui fait mardi 10 avril, dans Pétionville, Maître Noé Pierre-Louis Massillon, qui pas de candidat en face, li, remporté l'élection Sayo avec 176 votes sous 180. Delphine Falland et Fresnel Toussaint sont présents pour TNH dans le moment élection en suivant. Juge instruction et doyen tribunal première instance qui sorti dans 18 juridictions dans le pays a réélu maintenant Pierre-Louis Massillon comme représentant des pays dans CSPJ. Sous observation groupe Défenseur Plus, GOL, POHDH, ANAMA, sous 180 votants, doyen tribunal première instance Saint-Maclar remporte l'élection à 97,77 voix. Massillon Noé. Massillon Noé Pierre-Louis. Noé Pierre-Louis Massillon. Noé Pierre-Louis Massillon. Massillon. Noé Pierre-Louis Massillon. Maintenant, Noé Pierre-Louis Massillon, candidat unique pour POSA, remercie collègues Lio pour confiance yo placé dans li pour l'exécuter tâche si là. Maître Massillon promet li pral engager pour travailler dans intérêt pouvoir judiciaire. Certes que le candidat Massillon est un rude travailleur, un visionnaire au niveau de la magistrature. Ses prétentions ne sont pas dénuées de vérité, car votre représentant, au cours du temps passé déjà au conseil, n'a jamais été un bureaucrate, mais de préférence un conseiller qui n'a pas marchandé son temps, son savoir-faire, son savoir-être pour porter bien haut les intérêts supérieurs du pouvoir judiciaire. N'a pas rappelé, maintenant Pierre-Louis Massillon se passe de l'année à 6 mois comme représentant tribunal première instance dans CSPJ. Après l'élection, ça, l'a entré en fonction 3 juillet qu'a venu là. Et puis 26 avril, c'est date conférence président en chambre député à Kimbé pour déroulement séance interpellation ministre justice et sécurité publique là, maître Eddy Fortuné. Yon parlementaire interpellateur yo, député Franck Loture fait qu'on a une disposition qu'a prend pour séance là rivé faite. Il était dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. La conférence des présidents a arrêté le 26 avril comme date de la séance d'interpellation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donc, que je sache, pas co-gardé avec bureau si la lettre a été notifiée au ministre. Le bureau se doit de notifier la lettre au ministre. Et moi, je m'attends à ce que le 26 avril, la séance ait lieu pour que définitivement le ministre soit fixé sur son sort. Mais ça qui est difficile bon, ici, c'est que les députés n'ont pas vraiment venu dans la séance, d'accord, de manière régulière et en quantité suffisante pour que l'Assemblée AK fasse séance. Et là, je veux interpeller les collègues pour que qu'ils viennent dans la séance de telle sorte que séance là qui a gagné lieu convenablement. Il n'y a pas les deux remaniements ministériels, même penser que le Parlement lui doit jouer pleinement et souverainement sa partition et c'est lui qui décide de manière souveraine comment il joue partition en termes de contrôle. Donc ceci n'empêche pas cela. Donc il est capable toujours remanier cabinet, mais pendant que l'Assemblée des députés a joué partition. N'a pas poursuivre ensemble avec député circonscription Jérémy Gladys Saint-Jean lundi qui lançait un appel by autorité ministère santé publique ak population pour faire intervention dans l'hôpital public Jérémy qui a un problème médecin ak matériel. À cause problème ça, Emmanuela Adolphe, une jeune dame 33 l'année qui était enceinte perdu la ville d'après parlementaire. Un dossier qui t'a déjà devant la justice, d'après précision député Jérémy Gladys Saint-Jean lundi, qui était dans le micro, fait en confident avec Moïse Wilbridge. Nous apprenons la mort de Manila Adolphe, une jeune femme 33 l'année, qui était plein avenir devant nous, qui était à faire couche dans l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy, qui est le seul hôpital de référence que nous gagnons.
que malheureusement, en pile monde dans la population jugé que femme ça li paté bénéficier soins nécessaires que li té doit joindre dans l'hôpital là pour té empêcher que li mouri et li mouri avec toute petite là en dedans ventre li. Donc moi crois c'est moment pour que nous condamnel et pour nous tous et partager peine et voyez sympathie nous by parents et victimes non by amis yo by famille yo et by toute collègue qui dans faculté et dans Jérémy qui yo même a supporté dossier ça gen pile version qui by parce que l'hôpital l'a dit yo même yo te fait rapport pour dame nan et yo te et en même temps et ouvri et te prodiguer les de soins que qualité nécessité mais et tendance à les partager dans la mesure où en pile monde dans communauté a jugé que tu as une négligence non et prodiguer soins à dame. Donc moi même pensé en tant que femme en tant que parlementaire et en tant que présidente commission conditions féminines et équité de genre li de bon ton pour que nous et fait un appel non seulement à la population pour nous demander pour garder calme étant donné que le dossier a li porté déjà par devant et tribunal donc gain de commissaires et du gouvernement qui désigné sous dossier donc m'a demandé que yo rete avec calme pour attendre que et commissaire et du gouvernement fait suivi dossier gain appel n'a fait à santé publique pour que li prend disposition pour nommer moun yo parce que me connais gen pile spécialiste qui c'est de Timoun Jérémy qui formé nan Port-au-Prince et qui formé à l'étranger qui disposé tourner dans grand temps pour y al bay service à communauté a dans l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy. Donc n'a demandé que ministre santé publique là fait une petite diligence et n'a demandé premier ministre pour que li bay un petit main levé à ce que nomination ça a sorti de sorte que pour nous connaît l'hôpital Saint-Antoine de Jérémy il non seulement bon bloc qui est flambant neuf mais pour que bloc ça il gagne de monde et de spécialistes qui pour eux-mêmes capables opérationnels en dedans et l'hôpital là pour bailler population en soins. Dans la page santé, on a fait qu'on est campagne vaccination pour contrecarrer maladie diphtérie dans le pays a continué dans le département l'Ouest. Tout parent qui a un petit monde sorti un an, arrivé 14 ans, supposé mener un petit monde vacciné dans l'espace côté agent santé disponible. Directeur départemental sanité l'Ouest, Martial Benèche, souhaite tout responsable l'école ou soit orphelinat ouvri espacio by agent yo nan l'idée pour faciliter travail la fait pi bien. Reportage Rodney d'Orléans avec Henri Robert Chéri. Fièvre, gorge fait mal ou soit gorge enflée, c'est quelque parmi divers signes yon moun capable remarquer s'il t'arrive traper maladie ça. Dans sens ça, li important pour moun qui t'a remarqué signe ak symptôme ça yo aller dans cette santé qui pi près a. On moun capable gen gorge li a fait mal, li capable gen la fièvre là. Et puis c'est pas diphtérie. Donc c'est pour ça jodi an on moun ki gen sin sa ou k ap gade télévision nationale on ti moun on moun wè gen ni faut aller dans centre santé dans structure santé ki pi près pour médecin yo infirmier yo en un mot personnel soignant ou bien personnel médical là capable confirmer ou bien infirmer diagnostic ça. Gen 8 départements qui exposé à épidémie diphtérie a cette là d'ailleurs déjà touché dans campagne vaccination an. Département l'Ouest là, c'est 8e et puis dernier département côté campagne ça a continué. Directeur départemental sanitaire l'Ouest là, Martial Benèche, encourager parents et directeur l'école dans département ça, fait si moun yo prend vaccin, yon manière pour empêcher yo traper maladie ça. C'est l'Ouest là qui pigou et Moussoa, c'est-à-dire c'est là qui a plus monde. Donc c'est là tout nous obligé concentrer plus j'effort puisque si on département tant que département de Nip réaliser objectif li à 100% et puis l'Ouest là réaliser objectif li à 50% là yo additionné l'Ouest là avec ni plan donc la BC puisque c'est la gain plus monde donc c'est pour ça je dis hein gain plus que 3000 équipes chaque équipe yo gain 4 ou bien 5 monde là-dedans qui déployé dans divers communes qui étaient notifié kayo pour nous capable faire campagne ça faut que parents yo mené ti moun yo al prend vaccin
côté nous porter service là-bas yo dans l'école yo dans crèche yo dans orphelinat yo quitter yo bay ti moun yo vaccin yo l'état prend pile disposition administration Moïse Lafontaine prend pile disposition ministre santé prend pile disposition nous même dans direction départementale là ensemble avec tout le monde nous prend toute disposition pour non seulement vaccin disponible mais gon équipe tout qui porter service là ça 60 millions de gourdes environ. C'est quantité l'argent l'État haïtien avec participation plusieurs autres partenaires était disponible pour réaliser campagne ça sur 8 départements qui touchés dans l'épidémie ça. Merci Rodney avec Henri. N'a pas une pause, n'a pas retourné tout de suite. L'émission. Merci parce que nous toujours été branchés journal sur télévision nationale d'Haïti. Dans l'occasion 38e conférence lundi de la presse, ministère communication recevoir lundi 9 avril, directeur général bureau mine et énergie, ingénieur géologue Claude Prepty. Dans l'occasion, ingénieur Claude Prepty présentait bilan activité sismique PIA pour premier trimestre année 2018. Pendant le rappeler, comportement population doit adopter par rapport à risque sismique. Yo. En suivant compte rendu Rachel Saint-Fort à Cloward dans les Jean-Jacques à Potepono. Selon le directeur Biomine et Energia, Haïti placé sous plaque Caraïbes là. Plaque sable déplacée à une vitesse de 2 cm par an. Gen l'autre plaque qui c'est plaque nord-américaine cap déplacé dans direction opposée à plaque Caraïbes là mais à même vitesse là. Deux plaques ça ont un mouvement qui est les convergences obliques. Dans point côté où rencontré a gain pile activité sismique et volcanique. Depuis le tremblement de janvier a fin passé dans pays a gain pile activité scientifique a mené pour un plus bon connaissance sur activité sismique pays a. Tout tremblement de terre qui fait dans pays a cherché côté faille l'an passé parce que tremblement de terre c'est sous faille là que fait. Donc actuellement dans l'état des connaissances très rouge c'est faille ça que nous connaissons. Il y a un faille qui traverse toute presqu'île du sud là. Il fait 250 km de long. Il commence depuis la zone fond parisien sous frontière, Henri Kio, dans le lac Henri Kio, la République dominicaine. Il passe la boule 12, il passe Bonne Tapion, Rivière Froide, Bonne Tapion, il prend Miragouane, et puis l'aller sorti dans pointe Tiburon. Et l'aller jusqu'à la Jamaïque, au côté que les Plantain Garden. Donc c'est faille ça qui est en activité. Qui tout tremblement de terre dans presqu'île du sud. Gon deuxième faille qui est encore très importante dans le nord, qui est la faille septentrionale. Nous avons le prendre naissance dans la zone Cuba, et il continue au large du Cap Haïtien, il passe entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas, et là, il arrive dans la zone Fort Liberté, il prend terre sous lui, il continue en République dominicaine, dans la vallée du Cibao. 8 années après passage tremblement de terre de janvier, ingénieur géologue Claude Prepty annonçait qu'il y a un pile travail qui fait. Il y a une série d'appareils musiques qui sont installés, gen l'autre qui prend installé jusqu'à ce qu'il arrive à couvrir tout le pays. Appareil ça yo a aidé techniciens yo gen plus précision sous données yo les secousses faites pour présenter bulletin yo. De janvier à mars pendant 3 mois. Quand qui en l'air montrez-nous principaux épicentres secousses que nous enregistrer pendant 3 mois ça. Et nous voyons que secousse ça yo y a pas uniquement sous faille presque du sud là ou bien faille nord là, et un petit peu tout de côté. Ce qui est conforme avec le résultat que nous avons gagné en 2015. Donc nous avons enregistré à peu près une vingtaine de secousses pendant 3 mois, ce qui est conforme avec le résultat 2015 là, parce que 80 secousses pendant l'année, ça fait à peu près une vingtaine de secousses par trimestre, donc il y a 4 trimestres. Donc chaque année en Haïti, nous avons enregistré près de entre 80 et 100 secousses inférieures à 4, sur l'ensemble du territoire. Et il y a 3 zones particulièrement que nous avons surveillées en Haïti, et c'est là que nous voyons qu'il y a plus de secousses qui fait. C'est la zone NIP. Dernière secousse-là sont faites en 1952, la zone Ansavo. Et sur 20 secousses que nous avons enregistrées pour le trimestre-là, 61 c'est dans la mer que nous avons. Et si c'est dans la mer, ça veut dire qu'il est capable de provoquer des tsunamis. Et il y a un pile tout que nous avons enregistré dans la zone Ansavo. Deuxième zone que nous avons surveillé de très près, ces zones lac Azuéi, toute zone partie sud-est là, qui en pile secousse que nous pas enregistré longtemps, nous commençons à voir que dans la zone. Ingénieur géologue là, t'es profité occasion pour démentir parole qui t'a fait croire il t'a dit qu'il y a un séisme qui pas loin arriver dans pays là. Il expliquait pas gain monde qui a prédit tremblement de terre. Il qu'arrivé n'importe les
pendant le rappelé, c'est qu'on sautait attendre pour arriver. Dans ce sens, responsable yon invité population respecter norme constriction parasismique yo, chercher qu'on est comportement yo doit gagner avant, pendant ak après tremblement de terre. Le point cap dominé actualité, c'est 8e sommet international sous financement cap déroulé sous thème financer l'agribusiness en Haïti qui a continué non Pétionville. Pour deuxième journée, plusieurs ateliers travail organisés sous microfinance, financement agricole en Haïti et état des lieux sous secteur agricole là dans le pays. Sainte-Croix Paqui avec Hervé Pierre pour un reportage. Pour deuxième journée sommet international sous financement et troisième édition FinTech là, débat au Téchita sous microfinance, financement agricole en Haïti et puis opportunité secteur agricole là offri. Directeur général Conseil national coopératif là, Serge Chéri, expliquait CNC engagé pour renforcer le secteur agricole là. La direction générale du Conseil national des coopératives que je coordonne commence à se pencher sérieusement sur les stratégies d'encadrement à apporter aux durs et tenaces travailleurs dans tous les secteurs de production à travers tout le pays par le biais des directions départementales qu'on est en train d'instituer. Aujourd'hui, la philosophie active de la coopérative doit consister à aller vers les combattants, les espoirs, les secteurs de production professionnels et amateurs, les entendre, les former, les accompagner incessamment, les renforcer en les orientant vers une production plus efficace. Représentant USAID en Haïti, John Thomas, dit à continuer à financer ensemble projet cap exécuté dans le domaine agriculture. Le gouvernement américain apporte son appui au secteur de microfinance en Haïti depuis près de 20 ans. Je vous remercie nos partenaires de DAI et Roku, des projets finance inclusive et finance pour tous qui mettent en œuvre un nouveau volet de notre support à l'inclusion financière en Haïti, en appui à la stratégie nationale d'inclusion financière du gouvernement haïtien. Tout le monde sait que le manque de capital constitue une contrainte majeure au développement économique d'Haïti. Le niveau d'investissement ici est très inférieur à celui des autres pays de la région. Ce problème nécessite des approches basées sur le marché. Et c'est pourquoi l'approche de l'USAID s'est focalisée sur la mobilisation du secteur privé pour élargir l'inclusion financière et augmenter l'investissement en Haïti. Président, directeur général du groupe Croissance-Lan, Kester Farel, attire l'attention aux autorités sur la nécessité pour investir dans le secteur agricole pour renforcer l'économie du pays. Nous-mêmes, nous pas autorités publiques. Nous prenons les indicateurs, nous montrons exactement mais comment la situation économique est dans le secteur rural. Là, nous voyons que c'est catastrophique. Donc, si nous voulons relancer, il faut mettre plus de projets d'investissement. Ce n'est pas seulement la semence, il faut avoir une infrastructure parce que si ça n'a prôné, c'est la chaîne de valeur. Il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Là. Côté de retirer les produits à un dans champ pour mener sous table, nous-mêmes, le Port-au-Prince. Là. Mais en tant que maillon, ça est solide. Donc, agriculteur haïtien a bataille. Soit petit agriculteur haïtien, je l'ai fonctionné depuis 1804, c'est jodi, la même bagarre là. On va voir que agriculteur dominicain on va le caler une plate couture. Nous gon concours que fait les agri pitch, c'est des jeunes qui pas gain terre, mais on va le porter un certain positionnement pour permettre que produire capable river en dans secteur rural là beaucoup plus facile. Dans cadre déroulement 8e édition sommet international sur financement, plusieurs thèmes à débattre parmi eux microfinance, finance publique, système bancaire haïtien. Yon activité kap bout 14 avril kap vini la. Et puis sénateur l'Ouest-Lan Patrice Dumont qui t'a participé dans 8e édition sommet international sous financement. Félicité groupe croissance qui organise activité ça kap offri possibilité pour discuter sous production agricole là dans pays d'Haïti. Yon l'autre côté sénateur l'Ouest-Lan Patrice Dumont mandé la justice pour résoudre problème habitants kap perdu Teyo. Sénateur Patrice Dumont. C'est un moment important chaque année groupe croissance organisé rencontre ça
et li permettre moun kap occupé au de pays an sénateur yo les députés les maires kazek président ministre et puis société civile là haïtien gagner au moins en photographie de ça qui a passé dans pays du point de vue finance publique et anessa c'est sous l'argent que y a prêté pour moun kap fait jardin et li important et ensuite tout à l'heure là moi avant de faire interview avec Roi moi je suis deux interventions sous microfinance et ça permet nous ouais une série de données et que nous capable approfondir après lorsque yo mettez données ça on amène nous directement par exemple que c'est vrai nous te connaît déjà par rapport au fait que nous travaillons sur budget là que 82% de investissement qui fait avec l'argent PIA c'est dans la région métropolitaine là il fait ça veut dire que la Gouna pas joindre ça veut dire Cognon Grand Bois pas joindre Fonverette pas joindre etc. De faut nous équilibrer quand même dépenses investissement yo un peu plus premier côté pour la justice travail et pour que agriculture là existe tout bon vrai dans pays là c'est affaire volontaire. Léogane, par exemple, ça gagne deux semaines. Yo mettait du feu. Moi, dis bien, yo mettait du feu. C'est pas du feu qui prend par accident. Yo mettait du feu sous dans 20 carottes. Gagne 150 carottes que tout le monde connaît qui est qui propriétaire li. Ce sont les bouchereaux, mais que gagne des spécialistes volontaires. Qui ap nuit moun kap fè agriculture. Si chaque fois on moun ki gen tel et puis li fè on ti production la dan et production yo ou bien yo vin nuit chaque fois l pa ka konnen est-ce que l'ap capable faire récolte là est-ce que l'ap capable et bien pas capable gen agriculture. L'autre information dans journal ça parti politique rassemblé pour sauver la caille parasol mandé pour gagner lumière qui fait sous disparition photojournaliste Vladimir Le Gagneur. Puis loin responsable parasol profiter pour solidarité à famille et puis amis journalistes là. Un extrait dans micro Midrey Milias avec Henri Robert Chi. Parti politique Patriote rassemblé pour sauver la caille parasol abdi li indigné li estomaqué sous disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. Parti politique Patriote rassemblé pour sauver la caille parasol a profité même occasion ça pour dénoncer hypocrisie on sait de groupe qui dit ap défendre droit monde pour dénoncer hypocrisie classe politique là dans l'ensemble qui yo même fait silence sous disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. Un jeune garçon qui a choisi profession journaliste donc pour capable même informer moun nan pays. Parti politique Patriote rassemblé pour sauver la caille parasol a retiré chapeau tout devant association RJRL qui c'est regroupement de journalistes reporters locaux qui eux même depuis nouvelle là tombée bail conférence de presse fait manifestation pour demander retour ou du moins qui côté journaliste Vladimir Le Gagneur passé. Parti politique parasol a demandé en particulier DCPJ, la justice, pour prendre responsabilité parce que cette question sur Vladimir Le Gagneur, c'est une question qui intéresse tout le monde et nous-mêmes comme parti politique, nous portons solidarité by famille et by toute corporation journalistique. Là. Nous allons poursuivre avec collectif étudiant haïtien qui est une structure qui regroupe plusieurs organisations étudiants qui demandent intégration membre collectif là dans administration publique là. D'après Chidnerson Saint-Fermin, c'est un groupe professionnel dans différents domaines qui ont capacité pour offrir services by nation. Il y a un micro Isaïe Aurelius avec Moïse Wilbridge. C'est un rassemblement symbolique pour nous dire l'État, nous-mêmes, jeunes, nous avons mou par nous dans l'espace de décision. Son coalition de la jeunesse, nous disons coalition jeune, mais si vous
ou même qui pas jeune, qui estime que son bataille n'a mené, qui gagne rapport ensemble avec que ou trouvez qui gagne importance capitale, donc bienvenue. Si nous même nous c'est petit pays là, donc gagne ensemble de conditions nous remplis pour nous et partager pour bien partager responsabilité dans le pays là, donc nous prêts pour nous bailler connaissance, nous bailler ça nous gagne comme savoir avec l'État haïtien. Et puis, il y a un réseau supporter Jovenel Moïse qui mandait président de la République l'en faire passer main dans le cabinet ministériel là, sans perdre du temps. Dans une conférence pour la presse mardi 10 avril, un membre de l'organisation a dit il y aurait été quoi, promesse électorale à programme chef l'État a avancé plus vite si tu as gagné un nouveau cabinet ministériel qui t'a sorti en majorité en deux structures qui t'a milité avec le président Jovenel Moïse depuis l'élite en campagne. Il a expliqué. C'est toujours même leader. Continuer, corriger, innover. C'est pour bonjour correction faite dans le cabinet ministériel là. C'est pour bonjour correction faite dans le cabinet ministériel là. Comment pour cabinet ça travaille lentement peuple à tapton. Chaque ministre après des affaires pas yo. Yo pas de jambe quoi. Dans aucun programme politique, peuple là, lui même te quoi. Fois ça, pas de chantage, ni de bonheur. Fois que un cabinet ministériel et ministre qui croit dans le programme peuple là. Président, un programme qu'il a dans l'élection, faut que c'est le même programme ça qu'il doit appliquer pour le capable de respecter. Et ça te dit dans la campagne là. Pour le capable de satisfaire le peuple là. Lorsqu'on a série de ministres qui sont dans l'autre parti politique, lorsqu'on a série de ministres, c'est la force qui mette eux. Parce que les nègres ont le pouvoir, ils disent pour me voter un premier ministre pour vous, il faut avoir deux ministères. C'est comme ça que ça fait. Le ministre n'a pas suivre le programme politique pour le président Guéant, ni le premier ministre. Ça fait. Son gouvernement déjà divisé, pas de ministre qui dit la suivre et plan politique ni programme premier ministre l'engain parce que tout gain politique pas au vin faire ça fait c'est peuple la cap souffri, c'est peuple la cap payer ça nous mêmes pour président capable rester sincère capable rester dans sens peuple la te vle là pour qu'a toujours voter pour après 5 ans faut qu'il change gouvernement pour l'appliquer programme politique par là. Nous prenons une dernière pause dans le journal ça, nous tournons tout de suite. Premier coup de pied nous dans l'actualité en l'autre bord de l'eau a mené nos amis téléspectateurs dans le pays Syrie. Côté Conseil de sécurité, Organisation Nations Unies réunie en urgence à lundi 9 avril l'an pour parler sur sujet attaque chimique qui fait 7 avril passé à la ville d'Ouma, non pays Syrie. En suivre. Dans une chute à parler en urgence, l'ambassadeur russe des Nations Unies a entamé dossier attaque chimique 7 avril passé à la ville d'Ouma, pays Syrie. Il y a une attaque chimique qui était la cause 48 personnes perdent la vie avec un problème de respiration 40 personnes, d'après le secours syrien et une ONG civile. Ambassadrice américaine, Nikki Haley, rêvait traiter Bachar al-Assad comme diable en personne. Quand elle déclarait tout, justice doit être faite dans quatre dossiers. Ça. Et puis, on a fait qu'on a Yulia Skripal, petit ancien espion russe, qui était l'hôpital Salisbury lundi 9 avril 2018. Là, elle a quitté l'hôpital. Là. C'est directrice adjointe de l'hôpital, là, Christine Blanchard, qui confirmait. Information si là. Yulia Skripal, ensemble avec Papal, Sergei Skripal, te prend un poison après appeler 4 mars qui te saute passé. On suit. Petite fille ancien espion russe là, Yulia, quitte l'hôpital Salisbury dans le pays Angleterre quand elle t'a pris soin depuis empoisonnement le 4 mars passé. Elle quitte l'hôpital là en toute discrétion lundi 9 avril 2018. Là. Christine Blanchard, qui est directrice adjointe de l'hôpital Salisbury, confirmer information ça dans un point presse mardi 10 avril 2018 là. Yulia a demandé aux médias de respecter l'intimité et m'a pris fait même demande ça. Nous t'avons tout saisi opportunité pour me souhaiter le bon rétablissement.
traitement pour qu'on fini, mais quitter l'hôpital là, c'est déjà une étape qui a un pile sens. Entre temps, papa Yulia, Sergei Skripal, qui a 66 l'année, était hospitalisé. Yulia Skripal, t'es réussi parler pour première fois dans la semaine passée, 8 jours après, elle t'a repris connaissance. Par moyen communiqué la police britannique là, Yulia remercie habitant personnel soignant dans Salisbury. États-Unis offrit Yulia et papa, ancien espion russe là, y a recevoir yo avec une nouvelle identité. Depuis le scandale s'est déclenché, Londres a accusé Moscou comme responsable. Ça fait ça qui provoque une crise diplomatique entre la Russie et l'Occidentale, une crise qui débouchait sous plus gros vague expulsion diplomate. Merci Betty ak Dormine. Et puis j'en te dit nan titio, garde nationale américaine commencé déployer soldats yo sous frontière pays Mexique, non objectif pour établir sécurité sous frontière. Une décision qui sortit bon côté président américain Donald Trump après Congrès a voyé jeter vote financement construction mu frontière li te promet dans campagne électorale li. Sous Bopal, président mexicain Enrique Peña Nieto annulé 2 déplacements li te gain pour te faire dans Washington. Environ 500 familles dans la commune Les Anglais, département sud, recevoir pendant le week-end là, appareil pour mettre courant la caillou dans le cadre du programme Kaipam Cléréa. Président Chambre députée a souhaité gain passer main qui fête en volontant dans le cabinet ministériel. Là. Député Gary Bodo fait qu'on ait déjà rencontré président Jovenel Moïse sous dossier ça. Doyen tribunal première instance Saint-Marc-Lan, maître Noé Pierre-Louis Massillon, réélu comme représentant tribunal première instance dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans le cadre d'une élection qui organisée mardi 10 avril. La police nationale d'Haïti a arrêté 5 non présumés bandits qui tapent 6 mètres à Troublaille dans le quartier Martissant, Bolos, Cité de Dieu, pendant le week-end passé. D'après secrétaire d'État Sécurité publique, là, Léon Ronsard, Saint-Cyr. 8e sommet sous financement après à poursuivre pour 2e journée en débat au Téchita sous microfinance. Et puis l'autre bord de l'eau, garde nationale américaine commence à déployer soldats sous frontière pays Mexique mardi 10 avril là, dans l'idée pour établir sécurité sous frontière. Merci tout le monde qui t'a suivi deuxième sortie journal là pour semaine ça. On a remercié toute équipe là qui était mobilisée pour rendre possible. Et puis on a souhaité nous une très bonne fin de soirée sous télévision nationale d'Haïti. Au revoir.